Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous du décryptage, du commentaire, mais aussi de l'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo et même à travers le monde. On va aujourd'hui revenir autour des trois principaux sujets. On va aborder la question de la nomination du nouveau directeur en charge de la communication de la présidence de la République. On a donc fusionné et les départements de la presse et celui de la communication en un seul bloc. Et c'est M. Eric Nindou qui va donc diriger le secteur de la communication désormais. Il est un ancien de TV5, mais aussi de la Voix de l'Amérique, si je ne me trompe pas. On va aussi aborder la question de la sortie du gouvernement. Sam Aloukonde qui a fini déjà avec ses consultations, sauf imprévu. C'est donc cette semaine qu'on va connaître l'équipe gouvernementale qui vont composer ce gouvernement. On en parle au cours de cette émission et puis on va chuter avec Lamouka où Martin Fayulu a signé un communiqué où il constate l'auto-exclusion de Bemba et Katumbi, de la vision et même de l'idéologie de la coalition Lamouka. Et dans la foulée, la cellule politique de la coalition Lamouka a aussi brandi un communiqué comme pour dire à Martin Fayulu qu'il n'a pas les droits de chasser Bemba et Fayulu. Et dans les jours qui viennent, soit le 10 avril exactement, Moïse Katumbi va prendre les rênes de cette coalition. Pour évoquer ces trois sujets, j'irai faire sur ce plateau Yves Bouya, il est journaliste, mais aussi analyste politique, citoyen congolais, bref, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé et Thomas, c'est d'abord merci pour l'invitation. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de passer dans ces médias, Congo Buzz, appartenant à un ami que je considère comme un ami. Christian Bossembe, j'ai vu comment est-ce que c'est forgé pour cette émission, pas seulement lui, avec vous, notamment toi qui as été aux premières loges avec lui pour l'accompagner dans cette vision, une vision qui s'est pas qui s'est matérialisée, qui se matérialise parce que vous travaillez du jour au jour. C'est un travail comme pas possible, mais vous avez cru en cette vision et aujourd'hui ces médias font parler de lui. Et ces médias est devenu une très grande tribune d'information. Très bien. Et à chaque fois quand je reçois une invitation de vous, soit de Bossembe, je me déploie toujours, je m'active pour ne pas manquer cette invitation parce que pour moi ça a toujours été une opportunité. C'est comme j'ai toujours appris à l'IFASIC, parce que moi je suis un pur pour l'IFASIC, j'ai fait la communication. Il ne faut jamais manquer cette opportunité de passer à la télévision dans les médias. Pour moi, passer dans un média, à la télévision, ça a toujours été un privilège et une opportunité que je n'ai jamais voulu manquer. Très bien, alors on vous appelle depuis un moment les chouchous des Club 50 et de Jean-Marie Kassamba. Comment expliquez-vous aujourd'hui ces rapprochements entre Yves Bouya et notre président provincial, ce qui n'est pas du tout mauvais, Jean-Marie Kassamba? Parce qu'on savait que pendant un moment, vous avez eu des avis opposés, une vision diamétralement opposée, mais d'un coup comme ça, Yves Bouya, très proche de Jean-Marie Kassamba, et c'est pratiquement chaque week-end que vous êtes sur le plateau des Club 50. Non, je m'étais opposé, soit je m'oppose, je m'étais opposé avec Jean-Marie sur le plan professionnel. Vous savez, il y avait certaines choses qu'on n'acceptait pas, mais avec Jean-Marie Kassamba, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui a fait assez trop d'efforts. Il a fourni assez très d'efforts, il a compris. Vous savez, Jean-Marie Kassamba est un fruit de la diaspora. Il est venu de la diaspora, il est arrivé ici et il devait s'habituer avec la profession, les réalités de la profession, comment les choses se déroulent sur place, qu'est-ce qu'il devait trouver, comment se devaient mener des discussions. Il avait cette presse de la diaspora. Alors, Kinshasa, la presse de Kinshasa a ses propres réalités, il devait s'adapter à ses réalités. Mais c'était un peu des critiques que certains confrères formulaient, notamment moi, sur Jean-Marie Kassamba. Et à force de discussion, on a discuté, on a parlé avec lui. Il vous a convaincu? Il nous a convaincu, c'est quelqu'un qui s'est amélioré. Donc c'est plutôt lui qui s'est amélioré. Oui, il s'est amélioré, il a créé cette proximité avec la presse ici. Il a créé cette proximité, ça on peut le dire. Et tu as vu, avec les rôles qu'il assume aujourd'hui, comme président provincial, président urbain des gens de la ville de Kinshasa, il a créé cette proximité. Cette proximité, on l'a créée, il a créé ça. Alors, c'est aussi, je me dis aussi, je vois le président de la République nommer aussi son charcom, son directeur Monsieur Com de la presse présidentielle. C'est aussi un autre fruit
de la diaspora. Donc, le président de la République remplace une personne de la diaspora par une autre personne de la diaspora. Abraham Lwakabanga, qui n'a pas fait grande preuve à la tête, j'ai toujours dit, de la presse présidentielle. Il n'a jamais fait grande preuve à la tête de la presse présidentielle. Il n'a jamais été même journaliste, semble-t-il. Il a été journaliste. Dans un wifi de chez lui aux États-Unis. Vous savez, il avait un média ici, Code Plus 243. Oui. Alors, c'est un média qu'il alimentait depuis les USA. Je pense peut-être à son salon depuis les USA. Et il avait peut-être un wifi qu'il alimentait. Et c'est là où il travaillait. Et puis, il est venu quelques jours. Un média qui réalisait 800 vues après 6 mois, mais qui était toujours accrédité. Non, mais il est arrivé ici, quand Papa Tshisekedi est rentré, il est rentré. Parce que tu sais qui, Papa Tshisekedi lui a dit, on rentre, venons travailler. Mais les luttes, les combats avec Kabila, Abraham ne l'a jamais accompagné. Et puis sur le plan professionnel, est-ce que Abraham Lwakabanga a-t-il déjà prouvé ses capacités sur le plan professionnel? Joël Kadé m'a dit qu'Abraham n'a jamais été journaliste. Mais oui, là j'ai pu donner raison à Joël Kadé, il n'a jamais été journaliste. C'est quelqu'un à la limite qui portait les bagages du président de la République, qui était très proche de l'entourage. Lui-même l'a dit aux gens ici que son père, Lwakabanga, était très ami à Papa Etienne Tshisekedi. C'est des relations avec lui, le président de la République, qui sont tissées sur base des relations familiales. Alors peut-être par récompense, le président de la République, une fois porté au sommet de l'État, il a dit à Abraham, je te récompense comme étant... fils des pères qui ont été des amis. Mais professionnellement, Abraham n'a jamais prouvé ça. Il n'a jamais prouvé. Nous, vous voyez, on a connu ces chevauchements à la présidence de la République, Koussema qui travaillait beaucoup Charles plus, Kilo qui était beaucoup qui plus en avant-plan. Et rarement, je voyais Abraham avec une caméra, une photo comme un photographe. Alors quand je vois un directeur de la presse présidentielle avec des photographes pour prendre des photos, il confondait souvent des rôles. C'est chevauchement. Et des documents qui fuitaient. Tu vois ici, il y a quelqu'un de la presse, Wafouana ici. Wafouana. Charles Wafouana qui répond à la CNCO. Et les présidents avaient marre des gens qui ne faisaient rien, qui ne faisaient pas de leur job. Allez. Alors là, les présidents viennent. Tous à la porte. Tous à la porte, ils remanient les cabinets. Alors, ils tuent maintenant la cellule de la direction de la presse présidentielle qu'ils fusionnent à la communication. À la communication. Le président de la République amène un monsieur Charcom qui s'appelle Éric Nindou. Bon, monsieur Éric Nindou, parlons-en. J'ai même lu l'article de notre aîné Ido Sao Lenga qui fustigeait cette nomination. Pour lui, il y avait beaucoup de compétences ici au niveau interne. Mais oui, il ne comprend pas les choix du président de la République. Il y a de l'expertise locale ici. C'est là où je dis au président de la République, qu'est-ce qui les lie avec cette diaspora? Il a déjà une diaspora, un cabinet rempli. Mais vous oubliez que toujours au niveau de la presse présidentielle, il y avait Giscard Koussema qui était là, il y avait Paul Diakese, de l'autre côté de la communication, monsieur Jekwa Wafan, ou qui lit comme ça. C'est mais oui, ça crée un chevauchement. Pourquoi? Parce que Abraham Lwakabanga voulait tout ramener, tirer les draps de ses côtés, de son côté. Ça va créer un dysfonctionnement et chevauchement sur le fonctionnement de la presse présidentielle. Ça va créer ça. Alors, le président, pour moi, à la limite, devait prendre l'expertise locale. Tu m'as parlé de la question sur Jean-Marie. Je ne suis pas le chouchou des clubs 50. Je le suis, par exemple. C'est à la suite de mes réflexions, de mes analyses. Et Jean-Marie dit, bon, Yves Bouy analyse bien, il peut toujours faire partie des gens, de ces journalistes que j'ai pu y inviter pour parler, pour débriefer l'actualité. Alors, parlons-en d'Éric Nindou. Ancien de TV5, La Voix de l'Amérique. Mais c'est quoi TV5? C'est quoi VOA? C'est quoi RFI? Toi, tu peux travailler là-bas. Ce ne sont pas des médias à parole d'évangile. Ce ne sont pas des médias à parole d'évangile. Combien de fois tu as vu RFI, France 24, TV5 faire des papiers et puis apporter un démenti après? Alors, toi, tu as déjà lu un reportage d'Éric Nindou? Aucune fois. Tu l'as déjà lu? Aucune fois. Tu as déjà vu? Il n'a jamais été une figure emblématique de ces médias cités. Un média, chaque média a toujours eu des figures emblématiques. C'est ça la presse. Toi, tu as déjà vu Éric Nindou?
figurer comme figure emblématique. Est-ce que le problème, c'est son côté emblématique ou le problème, c'est la compétence et l'expertise qu'il peut apporter? Oui, on nous cite qu'il a été ancien de VOA, qu'il a été ancien de RFI, de TV5. On a, certains extrapolent même. Ils disent des France 24. Certains extrapolent. Mais dis-nous, un journaliste doit être une figure emblématique. Aujourd'hui, la figure emblématique des Congo Beu, c'est Christian Bossembe. Mais après Christian Bossembe, il y a des autres figures qui montent, notamment toi. Mais de plus en plus, on ne peut pas citer Bossembe, mais on peut citer des figures emblématiques des Congo Beu, Hervé et Thomas. Des grands de cette république ont dans leur répertoire ton numéro. Tu deviens une figure emblématique des Congo Beu. Monsieur Eric Nounindo, a-t-il été une figure emblématique de VOA? C'est à se demander. Monsieur Eric Nindu. Mais il ne pose problème. S'il était une figure emblématique, on allait facilement citer son nom. Le monsieur Charcombe du président de la République. Le monsieur Charcombe du président de la République, monsieur Eric Nindu. A-t-il été figure emblématique à TV5? A-t-il été figure emblématique à TV5 comme certains l'extrapolent? Mais non! Et puis je dis au président de la République, pourquoi toujours prendre ceux de la diaspora? Ça pose problème. Il a déjà un cabinet bourré de gens venus de la diaspora. Bon, dont la plupart venus du bas fond de la diaspora. Du bas fond! Et qui sont gracieusement payés pour quel travail? Pour quel rendement? Il y a chevauchement là-bas. Conflit de compétences à la présidence. Mais tous venus du bas-fond, il faut qu'elle travaille. Ils sont gracieusement payés. Il faut qu'elle travaille. Quel travail? Certains ici, même une autre technique, ne savent même pas les faire. Mais les gens qui sont gracieusement payés. Mais quand tu te réveilles le matin, moi j'étais à Capelle un jour, voir un cousin qui était malade. Je vois 4 véhicules de la présidence stationnés à Capelle, en train de manger le ngoulou. C'est la mode actuellement. Mais oui. Ils sont partout. Ils sont à Bandal, ils sont à Lemba. Ils sont à Kimbuta. Ah bon? Mais des véhicules immatriculés présidence. Immatriculés présidence, vous imaginez? Mais on comprend, on peut comprendre. À 12h, un conseil du président de la République doit être cloîtré dans son bureau en train de travailler pour faire rapport au président. Mais quand tu vois à 12h, un véhicule immatriculé, père, na Capella, pour la Golia Ngoulou, pendant qu'on y a poulet maillot, pendant qu'on y a ngoulou maillot. Mais quel est ce choix que le président de la République a opéré en termes de casting pour avoir comme collaborateur des gens qui préfèrent aller manger le ngoulou maillot à Capella? À 12h. Alors on va évoluer. Alors, c'est là où je dis, le président de la République doit donner un grand coup de balai, un grand coup de balai. Dans son cabinet. Dans son cabinet, en passant par M. Eric Nindou. C'est pas un grand choix, c'est pas un bon choix. M. Eric Nindou arrive. Selon vous. M. Eric Nindou arrive. La presse congolaise a ses réalités. La presse congolaise, c'est pas la presse occidentale. Une presse qu'Abraham Lokaba a martyrisé. Non, mais oui, parce que... Dans chaque reportage, dans toutes les activités de la présidence. Oui, parce qu'il y avait certains journalistes ici qui voulaient faire des courbettes à Abraham Lokaba. Abraham qui voulait se faire pour un dieu. Monsieur Nino n'a jamais été une figure emblématique dans tous les médias où il est passé. Jamais. Moi, j'ai connu son nom que quand il a été nommé. Je dis encore, oh, mais c'est qui encore ce gars? Il sort d'où? De quelle planète? Moi, j'aurais voulu voir, moi, les présidents de la République. Ici, sur le plan national, il y a de l'expertise locale. Mais il semble qu'ici, vous êtes beaucoup plus djaléloliste, vous êtes beaucoup plus fanatique. Et les présidents ne savent pas faire confiance aux gens qui sont fanatiques. Non, ce que le président de la République a fait en nommant un expatrié. Oh, comment ça? Mais c'est un expatrié, c'est un gars de la diaspora. C'est un expatrié. Yves Bouya. C'est un expatrié. Le président de la République a nommé un expatrié, mais qui est de la diaspora. Ici, moi je dis, c'est le choix du président de la République, c'est très normal. Mais je dis au président de la République de voir aussi, d'en tenir compte de l'expertise locale. Tu sais, ici, moi Bouya, je ne fais pas du djalé.
je suis objectif. Maintenant, quel ressort réservons-nous à ces gens, à nos confrères qui travaillent pour les présidents de la République? Je vois Christian Bossembe. Christian Bossembe, je n'ai pas dit qu'il fait les djalelo, tant mieux. Il fait son job. Moi, je comprends qu'il fait son job. Mais n'ait été le travail de Christian Bossembe, de Perrault Loire, de Joël Cadet, de Diony, de Peter Ntiani. C'est des gens. Serge Kabongo. C'est des gens aujourd'hui, quand tu vois leurs tendances, c'est des gens qui dégagent des tendances. C'est des tendances aujourd'hui, demain après que tu sens, c'est des tendances qui appartiennent au président de la République. Alors, ces amis que j'ai cités, qui sont des confrères brillants, je ne peux jamais remettre en cause leur jugeote. Mmh. Ils m'ont jamais dit que Bouya, nous sommes des manœuvres. Mais c'est horrible, ça arrive au président de la République. Il ne peut pas aussi recourir à l'expertise locale. Donc, à nommant Éric Nindou, le président de la République donne l'impression aux gens qui travaillent pour lui qu'ils sont des djalolistes. Moi, je ne veux pas que le président de la République ait cette impression, dans cette image. Mais c'est des gens qui travaillent. N'ait été leur travail. Il semble même que ceux qui sont aujourd'hui en dehors du cabinet du chef de l'État font une bonne communication par rapport à ceux qui sont au niveau interne. J'en viens. N'ait été les jobs que font les amis que j'ai cités ici. Le président de la République allait déjà être vraiment en ballottage dans l'opinion. Ils maintiennent l'image du président de la République dans l'opinion. Mais regarde comment est-ce qu'on leur remercie. On leur remercie. Les médias message. Ne sont même pas accrédités lorsqu'il y a activité au niveau des de la présidence de la République. Les médias ne sont pas accrédités. Quand le président de la République prend des grandes consultations, on ne les consulte même pas, c'est grave. Kabila ici, quand il prend des grandes consultations, moi Jean-Marie Kassama me disait, quand Kabila allait prendre des grandes décisions, Jean-Marie Kassama me disait, Yves, moi, l'ancien président me consultait, Kabila me consultait. Est-ce que le président de la République, quand il veut prendre, il a reçu. J'ai vu le président de la République recevoir les Bossembe, moi, les Peter Ntiani, les Kadé, les Diémit, les Pigérard. Mais ces consultations-là ne devraient pas seulement se limiter au niveau des consultations, non. Ça doit être de manière permanente. Ça devait être de manière permanente. Parce que des gens qui ont pignon sur rue, c'est comme moi, Yves Bouya, j'ai pignon sur rue. Quand j'ai pas, Yves Bouya a dit, Yves Bouya a lobby. Tu vois, nous avons pignon sur rue. Très bien. Ces consultations devaient être des consultations permanentes. Le président de la République, quand il va devoir prendre des consultations, il dit oui, je prends une décision, je consulte X. Alors on va... Je consulte Y. Mais quand maintenant le président ne le fait pas, il se limite seulement au niveau des consultations politiques. Mmh. Mais quand il prend des décisions, il ne prend pas ces gens-là. Il leur laisse que non, je pense que ce n'est pas ça, vraiment ça. Le président doit considérer les gens qui travaillent pour lui. Bossembe, Joël Kadé, les Diénites, moi je ne fais pas leur plaidoyer, mais je considère que c'est des collaborateurs du président de la République et on doit aussi leur rendre l'ascenseur. Très bien, on va clôturer ces chapitres de la nomination des. Alors moi, je crains que M. Éric Nindou, j'apprends qu'il adore, il adore les kebabs. Vous connaissez les kebabs? Il adore les kebabs. Selon ses proches collaborateurs, ils me disent qu'il adore les kebabs. Moi, je crains qu'il transporte les kebabs à la présidence en lieu et place de travail. Je ne peux pas les juger maintenant. Je l'attends à l'œuvre. Mmh. Mais il doit s'imprégner de la réalité de la presse pour qu'il puisse réussir. Une toute dernière question relative avec la nomination d'Éric Nimbou. Éric Nimbou arrive. Abraham, l'autre là, son nom échappe de la communication. Ils ne sont pas encore officiellement limogés. Mais il y a une information qui circule comme quoi on doit d'abord auditer la gestion d'Abraham Lwakabonga comme directeur de la presse présidentielle et de l'autre de la communication. Et c'est à l'issue de cet audit qu'on verra s'ils peuvent réintégrer la nouvelle équipe. Quelle lecture avez-vous par rapport à cette nouvelle? Non, moi j'en sais rien. J'ai autant plus que je n'ai jamais su combien étaient affectés dans le fonctionnement de la cellule de la presse présidentielle. Je ne sais pas. Parce qu'il faut aussi rappeler que l'équipe Lwakabonga doit aussi régler plusieurs collations des médias. Il y a des médias qui ont travaillé dans plusieurs activités de la présidence sans jamais être payés. Non.
Tu me dis, il y a des médias ici. J'ai été avec des responsables de certains journaux ici. Forum, La Prospérité, Les Phares, des grands médias ici qui sont accrédités à la présidence, mais les factures n'ont jamais été payées. J'ai un responsable d'un journal dont j'étais le maladie en privé. Ils n'ont jamais été payés. Ils ont des accréditations mensuelles. Moi-même, j'ai couvert deux activités de la présidence sans jamais être payé. Alors, mais c'est grave. Même pas un transport. Mais pourtant, cette cellule bénéficie d'un frais de fonctionnement. Il y a un frais de fonctionnement qui est alloué. Il y a des médias ici, des gens qui sont accrédités à la présidence. Mais où va cet argent? C'est là où Abraham Lwakabongo doit se justifier. Abraham Lwakabongo doit se justifier. Où mettait-il l'argent alloué à l'affecté affecté pour les fonctionnaires de la présidence? Ici, les gens sont hypocrites. Mais vous êtes accrédité à la présidence. Dites au président de la République, monsieur le président, saisissez le président de la République. Dites, monsieur le président, nous, nos médias, nos journaux qui vous accompagnons, nous avons une accréditation à la présidence. On ne reçoit jamais nos frais d'écolation. Oui, à hauteur de autant. Mais depuis que nous avions été accrédités, on n'a jamais été payé. Que le président de la République sache au moins. Je vous cite, il y a des journaux ici. Certains éditeurs, responsables des médias là, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils n'ont, depuis qu'ils ont été accrédités, ils ont discuté sur les montants de leur paiement mensuel. Ils n'ont jamais été payés. Les journalistes qui sont accrédités, qui sont accrédités à la présidence, ils n'ont jamais été payés. C'est là où je dis oui, je suis d'accord pour cet audit. Mais Abraham Lwakabongo doit justifier ces montants qui étaient alloués à la direction de la presse présidentielle. Est-ce que le président de la République, son directeur des cabinets sont au courant de cette situation? Moi, ils peuvent être au courant, mais la première personne qui doit justifier, c'est M. Abraham Lwakabongo. C'est là où je dis l'IGF, qui est devenu un service rattaché à la présidence, ne doit pas épargner la présidence de la République. Très bien, on va évoluer. Parce que déjà, la présidence de la République, il y a des dépassements à 14 000%. Il faut suivre la déclaration de certains députés ici. Ah, monsieur Alinghetti, je te vois très, très bouillonnant, tu fais un très bon travail, mais ce n'est pas parce que ton service est rattaché à la présidence maintenant, qui était au ministère des Finances, ne plus se limiter seulement à enquêter là où il y a de l'argent, au Katanga, au Lualaba. Non, il faut aussi la présidence. On va évoluer cette fois-ci. Enquêter la présidence. Où est-ce que M. Lwakabongo a foutu l'argent des responsables des journaux ici, des journalistes qui sont accrédités? Ils n'ont jamais perçu un rond. Moi, je prends le courage, je l'ai dit, mais je dis aussi que vous, journalistes, c'est votre travail, vous devez vivre de cela. Éditeurs des journaux, vous avez travaillé, vous devez être payé. Saisissez les présidents de la République pour que vous soyez payé à la limite que M. Abraham Lwakabongo fasse la restitution de ces montants qui étaient alloués pour le fonctionnement de la presse présidentielle. Très bien, Monsieur le Président, vivement l'audit de la gestion de la presse présidentielle. On va évoluer. Et que M. Eric Nouindou, pour gagner la confiance de la presse ici, il doit passer par l'acte en demandant les contrats avec certains médias ici, les contrats avec certains journalistes et être en contact permanent avec certains médias ici pour qu'il puisse s'imprégner de la réalité. Mais s'il ne le fait pas, il subira les mêmes sorts qu'Abraham Lwakabongo, qu'Abraham Lwakabongo. Parlons cette fois-ci de la sortie du gouvernement. Yves Bouya, comme vous le savez, le Premier ministre a déjà conclu ses consultations. Les regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités politiques ont défilé pour déposer leur liste déministrable. Et là, il y a déjà des chuchotements, il y a même des guéguerres au sein des formations politiques. Il y a aujourd'hui Bahati Lukwebo et Steve Mikai qui sont à couteau tiré. De l'autre côté, il y a Eliezer Tamboué qui estime que les députés pétitionnaires, les députés qui ont concouru à la destitution de Janine Mabunda sont aujourd'hui abandonnés. Alors, comment gérer toutes ces frustrations qui commencent déjà à naître? J'avais dit que le président de la République, les faits me donnent toujours raison, Hervé Thomas. J'avais dit à l'entame, au début de cette union sacrée, quand le président l'avait lancé, j'ai checké les têtes qui entouraient le président de la République. Je les avais dit, ils s'appelaient des gloutons politiques. J'avais dit que le président de la République ne va jamais s'en sortir. Qui sont ces têtes? Mais laisse-moi poursuivre. Allez-y. J'avais dit que le président de la République ne s'en sortira jamais avec les têtes qui entourent l'union sacrée. Tous, c'est des gloutons politiques. Tu prends Jean-Pierre Bemba, c'est un glouton politique.
qu'il évoque ses intérêts à lui. Il doit être mieux servi. Tu prends Katumbi, glouton politique, qui doit être mieux servi. Comment ça, Katumbi qui sait même, qui aurait refusé même les postes de Premier ministre, vous le traitez aujourd'hui de glouton politique, c'est quand même étonnant. Mais vous savez pourquoi il était venu ici en jet privé Mbangwa? C'était pour discuter sa part, sa quotité, son pourcentage, dans la personne du prochain gouvernement. Parce qu'il s'était fait rouler au poste de deuxième vice-président. Bembe Katumbi se sont fait rouler au Sénat, au poste de deuxième vice-président. Ni Ngerengo était passé, ni Ndundu. C'était la troisième fois, c'était Sangouma. Katumbi est venu ici pour discuter sa cote pas. Le poste est entouré par Vital Kamerhe, c'est un glouton politique. Il est entouré par Bahati Lukwebo. Moi, King qui m'avait fait une confidence politique une fois, alors sous Mobutu. Le professeur King Moulumba. Mobutu se revenait d'un voyage, il descendait. Mm. Et Bahati et King devait les recevoir à l'aéroport. Bahati salit King. Mobutu salit King. Il salit Bahati. Il sert Bahati. La main de Bahati. Il dit Bahati, moi, là, mon balioyo. Soko Pessier poste était à déranger Yoti. On copie ses postes. Ça, c'est Mobutu qui parle. Mobutu parlait. Mobutu disait ça à Bahati. Et c'est King qui me l'avait dit en privé. Moi, à Mobalio, ce que copie ses postes était. Ti. Agonion, Kolayo, copie ses postes. Voilà des gens qui entourent les présidents de la République. Les présidents de la République sont sortis. C'est des gens qui ne voient que leurs intérêts. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tout la bataille aujourd'hui autour de ces gouvernements. De Samalou Kondé, que j'appelle tonton Samachou. Oh. Mais oui, parce que nous sommes passés nous avons quitté d'un pépé, Sylvestre Ilunga. Nous avons maintenant un jeune premier ministre qu'on appelle tonton. C'est pas moi. Moi, j'ai sillonné sur les rues de Bandai. J'ai vu les jeunes filles en train de m'interpeller. Yves Bouya. T'as vu le premier ministre à jeune, comme les tontons. Tonton Sam, Anna 43 ans. Comme les tontons, mais ma jeune fille, tonton Samachou. Maintenant, le vrai problème du gouvernement Samalou Kondé, tonton Samachou, ça sera lequel? Les positionnements politiques. Samachou, Samalou Kondé a dit, son gouvernement sera des warriors. Ça ne sera pas un gouvernement des warriors. Fatih a parlé d'un gouvernement des guerriers. Ça ne sera pas un gouvernement des warriors. Même quand le président de l'Ibrahim dit que ça ne sera pas un gouvernement des warriors, parce que quand on voit à la suite de la bagarre qu'il y a pour les prochains gouvernements, des positionnements, je ne vois pas ces gens-là Mbikai travailler. Il ne faut pas parler de lui, ce n'est même pas un exemple de la société Mbikai. Je ne vois pas ces gens-là travailler pour l'intérêt du peuple. Bahati aujourd'hui réclame 5 portefeuilles clés. Bahati a une institution, Sénat. Une institution. C'est un corps constitutionnel de la République. Il est dauphin constitutionnel du président de la République. S'il arriverait problème au président de la République, c'est Bahati, prochain président de la République. Et les connaissants, il peut même mettre la constitution en veilleuse. Pour ses intérêts, les connaissants, Bahati Lukwebo. Comment pouvez-vous dire. Maintenant. Comment pouvez-vous traiter Bahati d'un glouton politique, quelqu'un qu'on a toujours considéré des rassembleurs, qui est beaucoup plus diplomate. Qui est rassembleur? Bahati n'est pas rassembleur. Bahati, vous connaissez son nom? On l'appelle Maradona. Oh, comment ça? Son nom de code. Mais oui, parle avec ses proches. On l'appelle Maradona. J'ai même suivi une vidéo où Vital Kamerhe est. Pourquoi on l'appelle Maradona? Parler aussi de lui comme ça. Non, pourquoi on s'appelle Maradona? C'est quelqu'un qui s'est dribblé. Il est fort en dribble politique. Il est président du Sénat. Cinq portefeuilles. Bahati à la limite, ne peut rien réclamer. Ne peut rien. Alors rien réclamer. Rien. Bahati Lukwebo, il ne peut rien. Il est président des regroupements politiques qui dispose d'un nombre important de députés. C'est la première force de l'Union sacrée. Je vous ai dit. Quoi de plus normal s'il réclame aujourd'hui 5 ministères? Suffisamment récompensé par les présidents de la République. À la limite, Nakibo Motonaye Bahati, Nakibo Motonaye, na âge de ceux qui a 78 ans, à comment on a été poste ma pêcheur, c'est Wana, au cours de Gamé Loko. Nakibo Motonaye. Et puis, des informations qui suivent, il réclame 5 portefeuilles. Moi, je donne raison à Mobutu. Du fond de sa tombe depuis le Maroc, je donne raison à Mobutu. Quand il dit ce qu'on peut s'y poste, c'est un rochard mal à l'aise.
Au nom de quoi Bakhti peut réclamer un portefeuille? Il ne peut même pas réclamer. Au nom de son propre politique. Il a déjà, au sein de l'Union sacrée. Il a déjà été gracieusement récompensé par les présidents de la République. À la limite, il ne peut rien réclamer. Katumbi vient ici. Je vous parle que ce ne sera pas un gouvernement de warriors. Ça sera un gouvernement de guerriers pour piller la République. Pas de guerriers pour travailler au pour travailler, de la, de la non, un gouvernement de guerriers pour piller la République. Des gens qui viendront travailler pour leurs propres intérêts. Parce que si c'est des gens qui travaillent pour les propres, pour l'intérêt de la population, on n'allait pas avoir ces combats de positionnement politique. Vous savez, je vous donne une information. Il y a même des leaders politiques qui ont fait venir des fétichés dans l'air. Qui, oui. Je connais, j'étais les noms. Un leader politique, c'est qui a fait venir des fétichés de Mbandaka, qui l'a fait loger chez lui à la maison, qui font des incantations matin, midi, soir. Rien que pour devenir ministre. Pour devenir ministre. On a Kabila sénateur à vie, on veut envoyer des ministres à vie. Ça ne se fait pas. Katumbi vient ici. Ils ont été roulés pour les postes de deuxième vice-président du Sénat. Il a dit, ah, ce que Fatih veut faire, c'est dangereux. Il prend vite fait son jet, il met du kérosène. Salomon, Nienda. Kamitatu, Nienda. Kalombo, Nienda. Nienda to Kinshasa. Bah, les gens atterrissent ici. Oh, mais c'est le président, la façon dont on a négocié, c'est pas bon de négocier. Parce que quand il négocie, Sami Badi Banga saute, il ira certainement au gouvernement. Ses postes vont revenir à un type de Katumbi. Pourquoi? Parce que les cash n'a que deux sénateurs, c'est Sami Badi Banga et François Mwamba. Mais la maison, ça va revenir à un type de Katumbi. Vous voyez les positionnements politiques? Ça ne sera pas un gouvernement de Warrior. L'UNC de Vital Kamerhe a deux quotas au prochain gouvernement. Mais l'UNC ne veut pas lâcher les budgets. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent les budgets nous revenus parce qu'au nom de la lutte, nous avons accompagné le président de la République. Si nous, UNC, nous lâchons les budgets à contrepartie, augmenter notre quota au niveau du gouvernement, que ça quitte de 2 à 3. Bemba aujourd'hui, c'est pas aussi pour les mêmes problèmes. Alors, dites-moi, en quoi ce sera un gouvernement des Warriors? Ça sera un gouvernement des Warriors, les gens qui seront là, que pour leurs propres intérêts. Que pour les positionnements. Votre grand frère de Bandal aussi, Basile Olongo, à son tour aussi, veut avoir deux ministres. Basile, j'ai honte d'avoir compatriote Basile Olongo. J'ai honte d'avoir compatriote de la mère Mende. Ce ne sont pas mes compatriotes. J'ai honte d'avoir. Donc, pour te dire. La mère Mende s'est dit disposée à n'importe quelle place. C'est des gens qui n'ont plus rien à donner à la société congolaise. Les Basile, les Mende, les Bati, les Mbikai. Ils n'ont plus rien à donner. Ils vont encore donner quoi? Et c'est des gens qui entourent les présidents. C'est des gens qui amadouent les présidents. J'ai honte, moi. Moi, j'ai honte. C'est pour te dire, ce gouvernement, le gouvernement de Samachou, tonton Samachou, 43 ans, ça ne sera pas un gouvernement guerrier. Ça sera un gouvernement des gens qui viennent travailler pour leurs propres intérêts et pour leurs propres profits, parce que à la suite de ce combat de position pour une politique, tout le monde veut faire partie du gouvernement. Je crains pour la suite. Tu as vu ici, l'Eliezer Tambo ici. Il estime que les députés pétitionnaires sont aujourd'hui abandonnés. Mais ils sont abandonnés. On doit penser à eux. On doit penser à eux au nom de quoi? Ils sont allés à l'Union sacrée. Ils doivent subir les dictats du président de la République. Et puis qu'est-ce qu'ils représentent? Ils ont pris quel risque par rapport aux députés FCC? Les députés FCC ont pris des risques par rapport à Kabila. Vous connaissez Kabila? Kabila, quand il est à Kingakati, quand il est avec lui là-bas, vous discutez avec lui, il touche sa barbe, vous parlez, vous ne comprenez pas de lui, vous partez. Mais ces gens-là ont bravé Kabila. Ils sont allés chez Tshisekedi. Votre ami Mike Mukeba a présenté Kabila comme le plus faiblard de tous les Congolais. Mais lui, il est plus faible, mais Kabila est avec dans l'Union sacrée avec eux. Non, Kabila n'est pas dans l'Union sacrée. Mukebai. Kabila n'est pas l'Union sacrée. Kabila est avec vous dans l'Union sacrée. Oh, comment ça? Kabila est avec vous dans l'Union sacrée. C'est pour dire que Kabila est toujours avec Félix. Les Mukebai, là, je vais vous faire une émission ici. Selon toute vraisemblance, Kabila est parti en exil à Dubaï. Kabila est rentré. Si Kabila n'était pas avec Kabila, n'était pas en odeur de sainteté avec Tshisekedi. Comment je l'ai laissé retourner à Dubaï? Kabila a quitté Kinshasa pour Dubaï avec un ordre d'autorisation du président de la République, avec des officiers de la République. Si Tshisekedi n'était pas en odeur de sainteté avec, ne l'a pas laissé Kabila sortir.
Il allait les laisser ici. Il est libre de, non, de tout mouvement. Il allait les laisser ici pour qu'on les contrôle ici. Kabila est dans l'union sacrée. Il a dans l'union sacrée. Mais il s'est mis en hibernation. Il a laissé le président de la République faire. Ils ont effacé l'image du FCC. Il a laissé le président de la République faire. Mais c'est alors aujourd'hui, comment gérer toutes ces frustrations qui commencent déjà à naître? Ce que Moukeba il dit, c'est un type sans discours. C'est un type sans discours. Qui ne vit que sous le nom de Fayoul? On va parler de Fayoul aussi. Un type sans discours. D'ailleurs, j'apprends. Bakoumo Beke, moi, une fois, j'étais à Notre-Dame ici pour une prière. J'ai vu deux jeunes gens traverser, me suivre. Oh, monsieur, on doit parler avec vous. Oh, c'est quoi le problème? Non. On plaît notre député. Quel député? Oh, Moukeba Inkoso. Mais pour quel problème? Non. On a des problèmes, la première lingua là. Des très sérieux problèmes. Tu penses qu'il va voir? Il va se voir. Tous les jours, c'est Fayoul à la télévision. Il va justifier son bilan au nom de Fayoul, sur le nom de Fayoul. Et puis, député Nabiswana a commandé Moubeti Dam. Oh! Il est en vacances parlementaires, quoi, de plus normal? Ah, vacances parlementaires, Moubeti Dam, n'a fin du mois, Rosambon et pas Godin Poy. Revenons dans les gouvernements. Vacances parlementaires, Moubeti Dam. Mais fin du mois, Rosambon et pas Godin Poy. Mais les députés de ma province, Nabango, de ma commune, Nabango, avec les peu qu'ils gagnent, c'est pas le travail des députés. Ça, c'est pas le travail des députés. Mais avec les peu qu'ils gagnent, ils savent poser des gestes de cœur. Il les fait aussi. Il fait, par exemple, moi, j'ai été chez lui une fois le matin comme ça, il y a des gens qui viennent solliciter de l'aide et il le fait. Moukeba, il n'a même pas porté un seau de sable à Lingwala. Même pas un seau de sable à Lingwala. Vous savez, son job, c'est quoi? Vous voyez chez lui, là, son avenue, là. Toi qui vas chez lui, c'est vraiment son avenue, là. Son avenue est voisin, une terrasse, non? Quand il vient là... Ce n'est pas ça le sujet quand du jour. Il vient, quand il sort de ses... De ces terrasses là, de ces vies nocturnes, quand il vient là-bas, il y a une terrasse qui est voisine à sa maison. Je vais fermer cette terrasse au nom de l'union sacrée. Je vais fermer cette terrasse au nom de l'union sacrée. Vous m'entendez, hein? Je vais fermer cette terrasse au nom de l'union sacrée. Alors, ces petits linguistes là, oh, mais honorable, honorable. Je vais fermer. Oh, Moukebaï, l'union sacrée, consomme ton intimidation. Gouvernement Ibouya. Tu as pris comment, cette. Qui t'a appris cette comment, tête, ces habitudes comment gérer, d'intimider les gens? Comment gérer toutes ces frustrations? Donc, c'est qu'est-ce que ça, Maloukoune, doit faire? C'est quelqu'un qui n'a pas comment rien. Doit-il s'y prendre? Quelqu'un qui n'a. Ben oui, mais quand dans l'union sacrée, vous avez dit, vous avez des gens comme les Moukebaï. Comment est-ce que Chamachou va s'en sortir? C'est quoi cet acharnement avec Moukebaï? Non, j'ai dit des vérités sur lui. C'est des vérités sur lui. Comment est-ce que les gens qui ne proposent pas? Moi, je comprends qu'ils ne proposent rien, qu'ils ne représentent rien au sein de l'ensemble, et qu'ils ne représentent rien auprès de Katumbi. Tu as vu Katumbi venir ici pour dissoudre le président de la République, dans la perspective de la formation du prochain gouvernement. Katumbi vient. Il ne fait pas appel à Moukebaï. Lui, le grand cerveau, la tête pensante, la personne la plus intelligente. Katumbi vient. Katumbi prend Christelle Voang à sa place. Pas à la place. Katumbi vient. Katumbi appelle Christelle Voang. Madame, vous m'accompagnez chez le Premier ministre. Mais moi, à la place de Christelle Voang, j'aurais pu voir le plus intelligent Moukebaï, le plus apte, le plus dynamique, le plus sage. Il prend Salomon. Kamitatou, Katumbi, Christian Mwando préfère Christelle Voanga à la place du plus intelligent. Ça signifie quoi? Même Moukebaï, au sein de l'ensemble, il ne représente rien. Il n'a plus rien à donner. Il a perdu des repères. Et Katumbi dit, ces messieurs, avec l'histoire des 50 lois de Fayoulou, il ne fait pas de la politique. Il ne faut pas lui donner de grandes responsabilités d'ensemble, il ne faut pas lui confier des grandes informations, surtout c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Moi, quand j'ai vu Christelle Voanga auprès de Katumbi, j'ai dit c'était normal, parce que c'est une femme qui parle avec son cœur. Vous avez vu l'affaire Fayoulou, comment est-ce qu'elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec la ligne édictée par son parti. Elle a parlé par son cœur, avec son cœur. Elle a dit que moi, je suis victime de mes prises de position sur Fayoulou. C'est ça un politique. Tu es contre. Tu dis ça. Mais elle est victime aujourd'hui de son acharnement. Mais je pense que Katumbi l'aime bien, Katumbi l'adopte. Quand Katumbi va voir le Premier ministre, Katumbi n'amène pas Moukebaï. Hein? Il n'amène pas les plus grands bavards de Moukebaï. Il n'amène pas les plus intelligents de Moukebaï. Il amène Évoluant. Katumbi amène quelqu'un
que lui considère comme Christelle Voir. Ça signifie quoi? Moukebaï, dans l'Union Sacrée, n'est pas considéré. Selon vous? Mais c'est des informations que j'ai. Il n'est pas considéré dans l'Union Sacrée. Il est ici ministre et député provincial. L'Assemblée provinciale a basculé au sein de l'Union Sacrée. Mais toi, tu veux créer une fronde au sein de l'Union Sacrée. Je veux faire l'Union Sacrée provinciale. Mais toi-même, tu t'ériges, tu t'opposes à la vision du président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez un député incorrigible au sein de l'Union Sacrée qui s'appelle très bien. Monsieur Mike. On va évoluer. Si vous lui donnez une passée de responsabilité, ça sera vous allez regretter demain après. Très bien. Clôturons cette émission avec l'actualité au niveau de la Mouka, ces dissensions internes. Martin Fayoul, le président en exercice de la coalition de la Mouka, a décidé de signer un communiqué où il constate l'auto-exclusion de Bemba et Katumbi. Et la cellule politique de la même coalition de la Mouka que Fayoul patronne aujourd'hui ne l'a pas entendu de cette oreille. Pour cette cellule, dès le 10 avril prochain, Moïse Katumbi va prendre les rênes de la coalition de la Mouka conformément à votre statut, je crois. Alors, comment régler aujourd'hui cette dissension au sein de la Mouka? Bemba et Katumbi font de l'opposition à Tshisekedi. Et le président ne les comprend pas. Comment ça? Oui. Bemba et Katumbi, ils n'apportent pas une relation sincère au président de la République. Et ça, le président de la République peut le comprendre. Comment est-ce que vous vous dites être dans l'Union Sacrée? Vous avez des ministres, vous aurez des ministres dans l'Union Sacrée. Et vous voulez être aussi dans la Mouka. Oh! Mais ça dépasse tout entendement. Donc, ils veulent être dans l'Union Sacrée, bouffer avec le président de la République, Bemba Katumbi, et être dans la Mouka, combattre le président de la République. C'est quoi le topo de Bemba Katumbi? Il y a un glissement en perspective de 2 ans, selon mes informations. Le président de la République veut maintenant discuter avec Fayoul. Parce qu'il veut un glissement de 2 ans. Pour obtenir ce glissement-là, il faut trouver un consensus à l'interne. Et la carte crédible, c'est Fayoulou. Comment ça? Oui, mais autant que Bemba Katumbi ont crédibilisé l'Union Sacrée pour le glissement du président de la République. Oui. Ça se mijote dans les laboratoires du président de la République, il faut un glissement. Oui. Mais pour obtenir ce glissement, il faut composer avec Fayoulou pour 2 ans. Mais Fayoulou, pour lui, n'est pas dans ce schéma. Fayoulou, pour lui, son schéma, c'est les élections de 2023. Il ne veut pas composer avec le président de la République en 2023 à l'idée d'un glissement. Il ne veut pas. Maintenant, le président veut mener un glissement. Et il faut maintenant composer avec Fayoul. Fayoul dit non, pour moi, il s'était déjà prononcé, je ne veux pas aller en glissement. Pour moi, c'est la rue ou rien, ou les élections. Bemba Katumbi savent, si il y avait, on parvenait à un dialogue Katumbi-Bemba, Katumbi-Fayoulou, eux viendront comme alliés de Tshisekedi. Et ils n'auront absolument rien. Ils veulent maintenant créer maintenant la confusion dans l'opinion. Être dans l'Union Sacrée et être dans la Mouka. Alors, si maintenant il y aura discussion, ils viennent au nom de la Mouka. Mais hélas, Fayoulou a déjà constaté les retours, exclusion et Mouzito. Il les a tous chassés. Pourquoi? Parce en qualité de quoi? Fayoulou, non. Parce qu'il semble que vos textes ne donnent pas Fayoulou et Mouzito ont constaté l'inaction de Bemba et Katumbi dans la Mouka et leur activisme au sein de l'Union Sacrée. C'est la raison pour laquelle ils ont pris cette résolution de dire que ces messieurs n'appartiennent plus au sein de la Mouka. Ils ont constaté leur auto-exclusion et ils ont pondu cela via un communiqué. Tu parles de la cellule politique. La cellule politique de la Mouka est mise en place par les coordonnateurs en exercice de la Mouka. Autant que Bemba, coordonnateur de la Mouka, avait mis en place cette cellule politique. Autant que Katumbi avait mis en place une cellule politique, l'actuel coordonnateur de la Mouka s'appelle Martin Fayoulou Madidi. C'est lui, en principe, qui doit mettre en place la nouvelle cellule politique de la Mouka. Quand je vois Maman Eve Bazaïba en train de fafaronner, je vois Christian Mwando en train de fafaronner, je vois Boris Mboukou, qui n'a jamais siégé dans la cellule politique de la Mouka, en train de fafaronner, ça me dépasse. Posez-leur la question, vous êtes journaliste. Au nom de quoi se réclame-t-il cellule, membre de cellule politique de la Mouka? Ils ont été nommés par qui? Parce que la cellule politique de la Mouka est mise en place par les coordonnateurs en exercice. Jusqu'à preuve du contraire, Fayoulou n'a jamais désigné
les membres du coordonnateur, les membres de la cellule politique de la Mouka. Fayulu ne l'a jamais fait. Fayulu, quand il a pris les rênes de la Mouka, il a écrit à Bemba, il a écrit à Fayulu, il leur a dit, envoyez-moi vos délégués qui doivent composer la cellule politique de la Mouka. Bemba. Mais ils sont là. Non, écoute. Christian non, Bondo, ensemble. Et Bazaïba, non, MLC. Non, écoutez, quand Fayulu a saisi Bemba, moi je ne suis pas un journaliste de la rue, je suis un journaliste qui s'informe. Fayulu a écrit, demain j'apporterai la lettre. Fayulu a écrit à Bemba, Fayulu a écrit à Katumbi. Donnez-moi les noms de vos délégués pour que je puisse composer les membres de la cellule politique de la Mouka. Bemba et Katumbi n'ont jamais répondu à Fayulu. Et Fayulu, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais installé cette cellule politique. Madame Bazaïba Kifafaron, Monsieur Mouadou et Monsieur Boris Mbouk n'ont jamais siégé parmi comme membres de la cellule politique. Je me dis, poser la question, au nom de quoi, qui les a nommés? Au nom de quoi ils parlent? Alors, on peut... Donc, c'est pour dire quoi? C'est du désordre, de la confusion, de niaiseries. Un désordre orchestré par Fayulu? Non, pas orchestré par Fayulu. Fayulu est là, il va continuer. Et puis la Moukaka te dit que Katumbi va reprendre les bâtons de la Moukaka le 10 avril. Le 10 avril. Il les prendra comment? Ça c'est Mbondi Mbondi qui l'a dit. Non, il les prendra comment? Ils ont été exclus de la Mouka. Ils ont été exclus, ils les prendront comment? Moi, je vais dire au président de la République de convier Bembe Katumbi dans une réunion, que le président pose la question à Bembe Katumbi, parce que c'est Tshisekedi de leur chef. Parce que Bembe Katumbi ont vendu leur leadership au président de la République. Dans l'Union sacrée, c'est Tshisekedi le chef. Que Tshisekedi chef de Bemba. Et c'est le même Bembe Katumbi qui avait aussi mis en jeu leur leadership au profit de Martin Fayulu. Non, c'est le peuple qui a fabriqué Fayulu, c'est pas Bembe Katumbi. C'est le peuple qui a fabriqué Fayulu. De l'autre côté, dans le président de la République, d'Ingra. Quel est le président? Non, c'est Bemba. Si Fayulu n'était pas comestible comme Chadari, il n'allait pas être élu président de la République en 2018. C'est le peuple qui a fabriqué Fayulu. Alors, moi je dis au président de la République qu'il puisse convier ces deux collabos. Parce que le président de la République est le chef de Bembe de Katumbi. Ça, tu admets au moins. Ça, c'est clair. Il est le chef. C'est le chef de Bembe de Katumbi. Que le président de la République convie ses deux collaborateurs. Bembe Katumbi, Claire pose la question. Monsieur Bemba, Monsieur Katumbi, vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes à la Mouka ou pas? Parce que dans la Mouka, ce n'est pas dans la Mouka. Katumbi les a chassés. Alors, les pièges du président de la République, ils veulent en 2023, s'il y a dialogue, parce que Fayulu ne veut pas de dialogue, s'il y a dialogue, Bakobi, Maniano Sacré, c'est l'info que je vous donne. Bembe Katumbi, ils sortiront de l'Union Sacrée en 2022. S'ils appellent qu'il y a un dialogue, dernière question. Ils vont sortir de l'Union Sacrée pour créer un bloc, parce qu'ils craignent que s'il y a dialogue entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ils ne vont rien gagner, ils vont venir comme étant alliés de Tshisekedi. Dernière question. Alors, ils vont sortir en 2022 pour réclamer leur part. Mais hélas, il n'y aura pas de glissement. Fayulu ne veut pas de glissement. Fayulu et les évêques et le peuple veulent les élections en 2023. On prête à Martin Fayulu aujourd'hui les intentions de vouloir s'accaparer de la coalition La Mouka comme il en avait fait avec la dynamique de l'opposition. C'est un acteur politique qui n'a jamais eu l'essence de l'innovation. C'est un acteur politique qui ne crée jamais, mais qui ne fait que s'accaparer de ce que les autres font. Alors aujourd'hui, Yves Bouya, comment réagissez-vous face à cette accusation? Les gens qui accusent Martin Fayulu, Madidi, les Mahatma, il ne sait pas travailler pour propulser son parti politique, les CID, mais tout ce qu'il sait faire, c'est s'accaparer. Les CID a un siège qui te coûte 900 000 dollars sur Triomphal. Un parti politique implanté, c'est moi qui chasse ça. Un parti politique qui s'implante. Katumbi, ensemble, incapable d'acheter un siège pour son parti ensemble. Il est locataire chez les MSR là-bas. On lui a proposé chez les sièges de l'interfédéral de l'UMLC. Voisin au MLP de Jean-Pierre Bemba. À 800 000 dollars, les philanthropes Katumbi incapables d'acheter ça. Mais Martin Fayulu a un siège à 900 000 dollars sur Triomphal, pas au nom de sa famille.
aurait profité du nom de Lamouka pour acquérir tout ce qu'il a aujourd'hui. Non, déjà, Lamouka, personne. Mike, non, d'abord, Mike n'est pas informé. Je me plains pour comment il n'est pas informé. Mike, il ne faut pas lui parler. Mike, d'abord, ce n'est pas un joueur informé. Comment ça? Ce n'est pas un type informé. Comment vous dire ça de Mike Moukébaye? Grand journaliste d'investigation. Il nous a révélé beaucoup de choses ici. C'est quelqu'un de Kadiocha. Sur ses côtés, faut. Non, c'est quelqu'un de Sur ses côtés, il est fort. Soyez quand même reconnaissant, Yves Mouya, sur ces points. Je suis informé. C'est quelqu'un de Kadiocha. Lamouka a battu campagne pas avec l'argent de Katumbi, pas avec l'argent de Bemba. Lamouka a battu campagne avec l'argent des miniers. C'est l'information que je vous donne. L'argent n'est pas venu ni de Katumbi ni de Bemba. J'irai en profondeur prochainement quand je vais m'appeler avec l'argent des miniers. La fondation Kofi Annan, via l'Endos, avait lancé un appel de fonds. Ensemble avait menacé dernièrement de bannir tous les documents mais qu'ils brandissent. Du financement oui, ça, de la campagne de Martin Fayoul. Mais on a déjà. Encore pourquoi Salomon Escadil avait été nommé conseiller financier des Fayoul la politique. Lors de la campagne électorale. Mais qu'il brandit, c'est. Moi, vous n'allez quand même pas tout nier, Yves Bouya. Tu sais, moi, quand je dors, je dis à ma femme tous les jours, j'attends que Katou puisse nous brandir ces documents-là de financement jusqu'à présent. Donc, laissez-nous. L'émission est terminée. C'est pour dire quoi? Les gens qui disent que Fayoul ne propose pas. Fayoul a été le premier acteur politique ici. Ça, c'est Mike Moukébaye. Une personne qui croit qu'il va battre sa campagne au nom de Fayoul. Tu vas échouer à Lingual, on va te remplacer à Lingual là. Tu vas croire que tu vas pas gagner le Fayoul. Non, il est beaucoup aimé à Lingual. Non, comment aimé? On va même député. On apprécie beaucoup. Il veut en croyant. Son travail au niveau de l'Assemblée provinciale. Il veut en croyant salir Fayoul, gagner la sympathie de Tshisekedi. Mais l'entourage de Tshisekedi, on n'aime pas Moukébaye, vous ne le savez pas. Vous savez vraiment pourquoi? Dans l'entourage de qui? Le président de la République. On n'aime pas Moukébaye. La famille du président de la République déteste Moukébaye. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il a été le premier à écrire ici que le président de la République n'a pas de diplôme. Vous le savez? Il a été le premier écrit dans notre journal Congo News, moi j'étais encore journaliste, que le président de la République était livreur et vendeur de pizza en Europe. Mike Moukébaye. Et vous voyez cette famille-là pardonner facilement Moukébaye. Au nom de l'Union sacrée, on a tout oublié. Ah, insulter, injurer, c'est bien. Mais pardonner, oublier, c'est une autre chose. Hein. Insulter, c'est bien. On a dit costume, cravate, Mike Moukébaye, Ochelolo, Nafinga. Mais pardonnez, c'est notre chose. L'émission est terminée, Yves Bouya. Alors, comme il croit qu'il va battre un campagne de Fayoul à Lingwala, il va échouer en 2023. Ça serait un type de Fayoul qui va les battre en 2023. Regardez ce que je t'ai dit. Moukébaye va échouer en 2023. Ça serait un autre type de Fayoul, quelque chose de propulsé qui va les battre. Un petit comme ça qui va les battre. Il se rappelle en 2023. Donc, lui qui est Fayoul ne propose rien. Fayoul, en 2019, il avait déjà proposé. Ça nous fait des incantations. Tant mieux. Il avait proposé les plans de sortie des crises. Reprenant des réformes. Aujourd'hui, un plan de sortie de crise où lui-même il se mettait en avant-plan. Il n'avait pas dit comme président du Conseil des réformes. Il n'avait pas dit que donnez-moi ça. Il n'avait pas dit ça. Il avait proposé. Mais que les gens qu'il a proposé, que Moukébaye apporte une contre-proposition. Maintenant, les il réformes. Il en a fait beaucoup. Mais qu'il apporte ça. Il en a fait beaucoup. Déjà qu'ensemble, tous ces idées ont balayé ça. On balaye ensemble les Katoum rejettent toutes ses idées, les Salomon rejettent toutes ses idées. Il a des idées ambiguës, on rejette ça. Quand Katoum vient, il ne les reçoit même pas. C'est son vocable qui vous aime. Mais oui, mais il connaît. Mais toi, tu sais que la femme de. L'émission est terminée. Toi, tu sais que la femme de Moukébaye, elle, tu trouves ça normal. Elle est... L'émission n'est pas une émission. Bon, exclusivement dédiée à Mike Moukébaye. Oui, je ferai ça. Parce que autant qu'il va s'attaquer à Fayoul, autant que moi, je m'en prendrai à lui. Ça, c'est un contrat scellé avec lui. Autant qu'il va s'attaquer à Fayoulou, ça c'est un contre. Retiens ça. Sa femme alors avait dit. Non, ça serait une autre révélation. Parce que je le connais mieux, je connais tous ses secrets. Autant que lui va s'attaquer à Fayoulou, parce qu'il pense qu'il va bâtir son électorat, son leadership au nom de Fayoulou, dont il n'atteindra jamais un niveau. Très moi bien. Je vais m'occuper de lui. L'émission est terminée, Yves Bouya. Pour finir, Fayoulou a proposé. 30 secondes. Il a proposé les plans de sortie des crises. Les gens en ont refusé. C'est un gars qui délire. Aujourd'hui, les réformes sont devenues un débat de la société. L'Église catholique veut des réformes, tout l'établissement de la République veut des réformes. Les présidents lui-même. Les présidents lui-même veulent des réformes. Donc, ça signifie que Fayoul avait proposé, et aujourd'hui, les faits donnent raison. Vendredi, on se passe. Il va proposer son plan directeur, sa proposition sur les réformes de la loi électorale. Lui, il propose, parce qu'il avait la vision de l'aigle. Lui, il ne pense qu'à l'élection.
il ne pense pas transport, il ne pense pas économie, il ne pense pas gratuité de l'enseignement. C'est seulement. Mais il va proposer comment dans un pays qui est en gouffre. Les élections qui les. Mais il va proposer comment, il va proposer comment dans un. Oui, mais il faut des élections parce que les pouvoirs actuels. Très bien, les pouvoirs actuels battent déjà de l'aile. Alors la caméra, il faut aller aux élections, demander des voix au peuple. Pour donner aux Congolais notre leadership qui va résorber les vieux problèmes des Congolais. D'où il faut passer par des réformes que Fayulu avait proposées, préconisées en premier. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison et accepter qu'il était le premier à proposer cela. Très bien, la caméra est là devant vous. Votre dernier message en 10 secondes. Votre numéro de téléphone, si c'est possible. Par contre, Moukeba, qui ne propose rien ensemble, il a proposé une idée ici. Son fils, Salomon lui a dit non, enlève-moi ça. Tu ne réfléchis plus, enlève-moi ça. Votre dernier message, et puis on va se séparer. Moukebaï, tu ne vas jamais bâtir ton électorat. Mais ça, c'est grave. Avec le nom de Fayulu. Lingwala a trop de problèmes. Je reçois les enfants de Lingwala sur ton nom. À propos de ton nom, tu ne fais rien. Okoma Moubeti Dame. Okoma soko yengi mkebayi na okoma balabala ana na vinem balabala ngo susuni allez faire ça pour possible balabala no ana olobi okanga terrasse na komba ya innocence mkebayi c'est quand même quelqu'un qui vous a formé, c'est quelqu'un qui vous a appris les métiers, vous ne pouvez pas chercher lui en privé. Je n'en disconviens pas. Je sens que dans l'Union sacrée ne propose pas. L'émission est terminée alors. Donc, je sens que l'ensemble ne propose plus. Poursuivre les débats avec vous. Tu ne vas jamais gagner ton électorat au nom de Fayulu. Tu vas perdre 2023. Très bien, il a compris. L'émission est terminée. Par un jeune que je propulse, que toi tu connais. Tu vas perdre l'électorat. Tu vois que tes yeux à pleurer. Pour avancer, dans tout ce que nous faisons, que les Congo gagnent. J'ai dit au président de la République, il n'a plus le FCC. Moi, bien que je ne crois plus, je ne crois pas à ces mariages, je dis qu'il n'a plus le FCC. Il n'a plus Mabunda, il n'a plus Tamboué, il n'a plus Sylvestre Lukamba. C'est lui qui est aux commandes de tout. Les vrais problèmes des Congolais doivent trouver solution. Plus d'excuses. Plus d'excuses. En 2023, c'est lui qui sera à la barre. Très bien. Pour présenter un bilan. Alors, problème à Congolais, Kolia, Maï, Kolata. Prétexte, il y a oh, j'ai hérité et Sili. On veut te voir à l'œuvre, monsieur le président de la République. Très bien. Aux multiples problèmes des Congolais, c'est mieux. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Mais avec toi, je scelle un partenariat. Autant que Moukebaï va s'en prendre à Fayulu, autant que moi, je m'en prendrai à lui. Jusqu'à ce qu'il ne fera plus porter son pantalon. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. C'est moi qui vous remercie. J'avais reçu sur ce plateau Yves Bouy avec qui nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Merci à Jacob pour ces belles images. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.